là que tu dois aller, 4e étage, ok? Alors, Noah... C'est là que le point d'accès te permet... Ça pulse? Il paraît qu'une messagère a été libérée aujourd'hui. Et elle veut reprendre du service. Oui, après une longue absence. Elle est désolée à ce qu'on dit. Peut-être qu'elle a pu méditer pendant son absence. Peut-être. Je suis désolée. Mmh. T'as vieilli. Ah, va chier. C'est sympa chez toi. Ouais. Je peux rester un peu? Bien sûr que tu peux. Et sinon, cette mission? Vois ça avec Birdman. C'est lui qui t'expliquera tout. Le nouveau. Il a l'air un peu coincé. Icarus? C'est un bon gamin. Y a pas de meilleur messager. Pas meilleur? Va parler à Birdman et on verra. D'accord, je serai là. Dogon me souhaite bonne chance. Ouais. On s'occupera de lui en temps voulu. Mais allez, pour l'instant, épate-moi. Au fait, Face, voilà un petit paquet pour toi. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Et cette fois-ci mes petits amis, on s'attaque à Mirror's Edge Catalyst sur PlayStation 4. Édité par EA, développé par DICE. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les développeurs, voilà, je vous le rappelle, ce sont ceux qui sont à l'origine par exemple des derniers Battlefield, pour un petit peu vous remémorer de qui il s'agit. Sortie officielle le 7 juin 2016 et PEGI nous le déconseille au moins de 16. Agréable note de 71 sur 100, bon, on va dire un petit 14. Et bon, mais voilà, après cette cinématique, j'ai eu le temps un petit peu de parcourir la carte. Oui, c'est une nouveauté, il y a un open world dans le jeu. Et là, eh bien, je vois que nous aurons maintenant des points de compétence à attribuer à Face, qui est la protagoniste de l'histoire, enfin, du jeu Mirror's Edge. Et ça a l'air plutôt sympa en fait, je suis en train de regarder tout en vous parlant, mais c'est aussi une nouveauté, donc du coup un arbre de compétences à ajouter, ça il va falloir aussi que je le mette dans ma petite fiche de points positifs. Non franchement c'est sympa, bon après bon bien sûr la mission, enfin ce qu'on me demande c'est d'acheter la carte Pulse, donc en fait la carte Pulse c'est un petit peu la map en fait, voilà, ben, ça me donne raison. Mais dis donc, la carte est assez vaste mine de rien. Oh. Bon, là, ça doit être sûrement l'endroit où je dois aller. Ah ouais. Ah ouais, non. La carte est assez grande, c'est sympa. Tant mieux. Bon, mais voilà, on va mettre un marqueur. Bon, putain, ça va être vraiment génial. Donc voilà, donc c'est un pseudo open world. Donc comparé au premier, ben, on parcourt la map pour aller au rendez-vous de la mission. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un bon point à noter. Graphiquement, bah, il est beaucoup plus beau que le premier. Oui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Mirror's Edge, il était déjà sorti en 2008 sur ancienne console de salon. Et non, vraiment sympa. Après, le petit bémol, bon, c'était un jeu qui avait eu pas mal de points négatifs de retour par rapport au jeu de couleurs. 4 couleurs primaires pour faire tout un jeu en entier, on le voit un petit peu, c'est vraiment on voit que le jeu est poncé sur des couleurs plutôt vives et directement enfin voilà, qui sont très visuelles. Et bon voilà, niveau jeu de couleurs ils sont pas trop fait chier, mais bon on voit que graphiquement il est mieux. Et pour encore continuer sur les points négatifs, je vais tout simplement vous dire aussi que, étant pourtant grand fan des doublages et des VF, ah, les VF ont été très mal choisis pour illustrer ce nouveau jeu. Je trouve ça assez dommage. Tant pis, que voulez-vous. Mais après, non, graphiquement, il claque. Notamment la protagoniste Face, elle est 2 fois plus jolie que dans celui de 2008. La ville, après, bon, qui s'appelle Glass City. Bon, après, bon, ça reste à peu près pareil que le 1, c'est la même architecture, la même calligraphie, quoi. Bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu style parcours. Donc voilà, il va falloir vraiment faire des cascades, le Yamakasi, le run style, le freestyle, tout ça, ça va être vraiment quelque chose qui va vous accompagner, qui va être votre petit train-train quotidien dans le jeu. Merde, j'ai loupé l'entrée. D'ailleurs, ce passage me rappelle étrangement un petit parcours qu'il fallait faire dans le 1. Bon, il doit y avoir pas mal de dédicaces, il faut, ça doit même en faire partie. Donc du coup, on va se rendre directement à cette première mission. Il faut aller voir l'homme aux oiseaux. Le bon vieux Birdman. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pu un petit peu me friter face à de l'IA. Elle est pas très compliquée, mine de rien. Il n'y a pas une grosse difficulté. Mais bon, carré, les coups de poing, triangle, les coups de pied. Bon voilà, on s'y retrouve assez vite. C'est pas un jeu qui vous permettre d'être perdu dans le gameplay, hein, ça je vous rassure de suite. Le premier, bon, comme c'était un nouveau style de jeu, bon, bah, il avait chopé une excellente note, 17 ou 18, je me souviens plus. Tout le monde un petit peu l'avait porté dans son cœur. Ils idolâtraient, tous les nouveaux joueurs idolâtraient ce jeu. Mais bon, après, en prenant du recul, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. Mine de rien, celui-ci représente de beaucoup plus sa note, qui est de 14/20. Il est beaucoup plus complet que le premier. Ça, ce n'est sans dire. C'est non, franchement, beaucoup plus complet, beaucoup plus. Non, franchement, voilà, ils ont rempli le pot de yaourt, parce que bon, on avait beau curer le fond dans le premier, là voilà, on en a pour. On en a pour notre argent, quoi. Après, si on aime ce style de jeu, bien entendu, hein. Donc, j'ai pu faire des recherches. Bon, il y a pas mal de styles de missions. Donc, livrer des colis. Je vous rappelle que Face, en fait, est une coursière, en fait. Elle doit livrer des colis à travers les toits d'une ville un petit peu... japonaise, hein, donc du coup les Yakuza et autres cartels gangs se sont retournés contre elle dans le premier pour les colis qu'elle avait à livrer. Nouveauté, bon, là aussi c'est un petit jeu de course avec un contre-la-montre. Il y aura d'autres styles de jeu, vraiment c'est... Je sais qu'il va falloir livrer des colis, faire des contre-la-montre, ne pas se prendre certains coups parce que des colis sont jugés comme plus fragiles que d'autres. Enfin voilà, il va y avoir plusieurs petites nouveautés. C'est sympa, ça va ajouter goût et nouveauté au jeu pour éviter que lassitude ne suive. C'est un point non négligeable à ne pas... à noter. Bon, j'ai perdu une étoile sur 3, bon, bah, j'étais quasiment à la fin, boss. Comme c'était la première fois, je savais pas trop où il fallait aller. Le didacticiel vous aide pendant un petit moment sur le jeu. D'accord, donc eux je ne les ai pas dans mes amis, donc apparemment je vois que je suis vraiment ranké avec tout le network, en fait. Donc voilà, après n'importe quelle mission, on va me donner des points d'expérience pour mon arbre, c'est cool. C'est vraiment sympa. Et on va pouvoir du coup s'acheter une amélioration, ça c'est bien. Donc du coup voilà, tenue, combat et déplacement. Bon, mais je peux m'en prendre deux. Ah, la roulade qui va nous permettre d'éviter de perdre du temps sur la chute. Oh, ça va être génial. Bon, ben voilà. Ça va me faire gagner un temps fou. Du coup... Bon, ben, je suis déjà marqué ici. Ça, c'est la prochaine... Ouais, voilà, une autre prochaine mission. Bon, mais alors, on va retrouver son collègue. Oh, yes! Putain, la roulade qui me fait gagner un temps fou sur la réception. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Donc, comme je vous ai dit, votre IA vous aide un petit peu au début du jeu. Après, vous pouvez la désactiver, hein. Ne vous en faites pas. Tout n'est pas expliqué dans le jeu, tant mieux. Mais au moins, ça évite aux néophytes en la matière de se perdre tout simplement dans cette carte qui paraît quand même assez vaste. Donc c'est un bon point aussi. Pour vous un petit peu vous mettre dans le contexte, Face donc du coup fait partie donc du coup d'une association, enfin d'un gang, d'un groupe un peu secret qui va livrer des colis, donc ils ne doivent pas les ouvrir, c'est un peu des transporteurs quoi, limite made in China quoi. Et là on la retrouve, elle est libérée de prison après 2 ans. Après 2 ans d'emprisonnement tout simplement, et donc là donc du coup elle essaye un petit peu de se... elle essaie de remonter dans l'estime de tout le monde, elle cherche absolument à faire des missions, à montrer de quoi elle est capable. Donc du coup, bon, c'est la ville, vous... vous est offerte, quoi, en fait. Donc vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Elle retrouve ses potes, elle doit un petit peu regagner entre guillemets la confiance de Nolan qui ne s'est jamais estompé avec le temps parce que bon voilà, ce sont deux amis de longue date qui étaient aussi présents dans le 1, hein, c'est le chef de cette organisation. Donc du coup c'est... non mais voilà, après ça... Pas obligé de faire le 1, j'ai envie de vous dire, parce que ça se voit que dans le 2, enfin dans celui-là, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé, et au fur et à mesure du temps, vous avez plein d'indices qui vous disent comment le 1 s'est déroulé. Donc ce n'est pas obligé de faire le premier qui était sorti en 2008 pour pouvoir comprendre le catalyste. Donc vous en faites pas. Si c'est votre premier, vous pouvez y aller, quoi. Des légers, voilà, ben là ça me le confirme, voilà, des problèmes de clipping de texture, ça a du mal des fois à s'afficher, les visages, les mots, etc. Il faut attendre un petit peu, ça aussi c'est un petit point négatif. Et on va avoir un petit peu de frites, quoi, on va un peu avoir de la fight, je vais pouvoir vous montrer. Donc du coup, on va faire de l'esquive avec R2, ça c'est cool. Nice, bon, ouais, ça montre à peu près qu'ils sont, un petit peu... Oh, attendez. Ah merde, putain, pourquoi échec de la mission? Fallait que je fasse de l'esquive. Oh mais c'est bon, je l'avais esquivé. Oh, je trouvais ça tellement épique de sauter pour, pour lui mettre un taquet. Merde, du coup je prends des coups, je suis plus concentré. Ah merde, bon allez, vas-y, remets-moi des coups. Valide mon objectif, voilà. Encore, éliminer le protecteur. Mais je l'avais pas esquivé une première fois déjà avant de le tuer. Putain, je l'avais tué de façon tellement épique, je suis dégoûté, quoi. Allez, prends-toi ça. Bon, il esquive à plusieurs de mes coups. Allez, avance. Voilà, bouffe. Putain, c'est dommage, quoi. Putain, je l'avais tué de façon tellement classe, quoi, la première fois. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que, par contre, les coups camés, c'est assez violent. Franchement, sur le point de vue... enfin, on va pas parler de ragdoll, parce que, bon, on va dire, les combos sont vachement bien faits. Voilà, je kiffe. Non, franchement, moi, c'est un jeu que j'avais énormément aimé en 2008. Et pour moi, je trouve que c'est pas de l'argent perdu. Bon après il coûte le prix fort, hein. C'est pas un jeu que l'on va avoir moins cher comme pour précédemment le test de Valkyria Chronicle que j'avais pu faire où est-ce que le jeu coûte 24 balles, là non. Donc là on peut, on va avoir un petit peu de frites face à deux gars que j'entame déjà de toute façon. Des fois en fait je me prends des coups de matraque, hein. Elle fait l'effet du... sa tête fait comme si elle avait pris le coup, mais j'ai pas l'écran rouge, donc je sais pas en fait s'il me tape vraiment ou si j'esquive juste avant. Oh, c'est une violence les coups. Les mecs font des... Ouais, non mais c'est très style Yamakasi, quoi, tu vois. Enfin, c'est très porté un petit peu cascade à la Power Ranger une fois que tu te prends un coup. Mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui nous plaît à nous les gamers, hein. On va pas se le cacher. Mais après, c'est vraiment... Tâche. C'est génial. J'adore ça. Franchement, je trouve ça trop drôle. Parce qu'on se sent puissant et en même temps, voilà, c'est fun. C'est fun tout simplement. Après, voilà, l'IA est plutôt faible. C'est vrai que on s'attend à mieux. Après, je parle peut-être un petit peu vite parce que avant de commencer mon test, je me suis fait plomber par un mec. Il y a eu une petite animation. J'ai foncé sur lui, il m'a mis un D6 Sparta pour me repousser. Enfin bref, voilà. Le petit coup dans la gargante, on l'a vu, magnifiquement bien placé. Non, franchement, c'est cool. Après, voilà, c'est... Ah, j'ai un collègue qui a un souci. C'est très porté sur des coups, vous savez, un petit peu style, les coups à la kung-fu, à la pencaxilate, voilà, les petits coups dans la jugulaire, entre les guibolles, enfin voilà, c'est les coups qu'on a dans... Un petit peu comme le film The Raid, je sais pas si vous l'avez vu, ou Raid, je sais plus comment il s'appelle, bref. Voilà, c'est des coups un petit peu comme ça, on retrouve le jutsu chinois, quoi. Non mais c'est drôle. Et bah du coup je vais venir t'aider, et toi, bim. C'est trop drôle. Non franchement c'est... Non après, bon, bien sûr ça va être souvent la même chose à faire, mais le jeu s'adresse en fait aux personnes qui veulent une liberté entre guillemets dans le jeu. Pourquoi je dis entre guillemets, voilà, parce qu'on peut pas parler de liberté à proprement parler, c'est plutôt quelque chose, vous êtes encadré mais vous pouvez aller à l'endroit désigné, c'est pour ça que voilà, il peut pas y avoir de liberté, on va vous demander d'aller à un endroit, vous pouvez pas faire non plus ce que vous voulez ailleurs, enfin vous pouvez y aller mais ça ne sert à rien, mais à l'endroit qui vous est demandé d'aller, vous pouvez y aller de la façon dont vous désirez, c'est ça. que j'appelle une liberté. Et vous pouvez vraiment le faire de la façon dont vous le désirez, et c'est ça qui est super, je trouve, en fait, voilà, c'est cette liberté encadrée que je trouvais super dans le premier Mirror's Edge, et je la retrouve dans celui-là. Le terrain, voilà, on vous donne des indices, les zones rouges, bah, c'est là où est-ce qu'il faut aller. Je peux pas passer par là? Ah si. Donc voilà, c'est là où est-ce qu'il faut passer, vous êtes accompagné vraiment. Je vais pas pouvoir le choper ça, bon c'est pas grave. Petite roulade. Non mais voilà, après... Bon, il est particulier comme jeu parce que c'est pas un jeu où est-ce que... Enfin, vous pouvez récupérer des armes s'ils sont armés, l'utiliser pour tuer des gens, mais à la base, Face n'est pas là pour tuer, elle va mettre KO ses adversaires. C'est pas, voilà, c'est pas du run and gun, c'est pas le FPS à proprement parler avec un gun et on débraye de la boulasse à n'en plus finir, etc. Donc non, il va falloir tout simplement faire comme... comme fait un coursier japonais, hein, vous pouvez le voir, en fait, voilà, il ne veut pas tuer ses ennemis, juste les assommer pour pouvoir passer plus rapidement et viser son objectif. Je dois livrer un colis, donc ça c'est une des missions principales, enfin du moins l'activité mère du jeu, donc c'est cool, il va falloir du coup que j'aille à l'endroit qui est spoté. Non, c'est bien parce que tout s'enchaîne assez rapidement et ça me permet au moins de vous montrer les différents aspects, donc on a vu une course chronométrée. On a vu une aller à plusieurs points d'affilée pour récupérer des objectifs. Toi, je vais te démonter. Je savais que j'allais avoir échec de la mission parce que j'ai fait triangle au lieu de carré. Bon, tant pis. Donc du coup, il faut que je refasse carré. On a un chargement, le petit tatouage sur l'œil droit de Face. Alors après, pour resituer le jeu, il se passe en fait avant le premier, parce qu'elle n'a pas encore son tatouage. Oh bordel. Elle n'a pas encore son tatouage en fait, et je vous rappelle que ce tatouage version puce numérique qu'ils ont sur les bras, les coursiers, c'est pour montrer qu'ils sont de cette organisation. Et comme elle ne l'a pas, par pure et simple supposition, je me dis que ce n'est pas... que ça, voilà, c'est avant le premier où est-ce que le tatouage est là, quoi, enfin, voilà. Donc le jeu va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les origines de Face. Oh, c'est d'une violence les coups camés comme ça. Alors donc du coup carré pendant que je sprint, c'est uniquement repousser les adversaires. C'est vraiment génial. Oh là là, cette violence. Hop, petite roulade et on arrive devant le compteur, magnifique. Eh ben non, franchement, c'est génial de... Non, mais voilà, il y a plusieurs aspects. Repousser, pas forcément accepter la baston, il faut aller vite. Ah ben là, j'ai 57 secondes, il va falloir que je fasse un truc contre la montre. On va pas passer par là, on va gratter du terrain. Hop, voilà. Voilà, pas de dégâts de chute. Bon, au bout d'une certaine hauteur, bien entendu, la roulade ne suffira pas. Vous allez vous écraser comme une merde et puis voilà, vous allez faire pas le figure, c'est sûr. Mais... non mais voilà, là par exemple, je dois livrer un colis en moins de quelques secondes. Après ce n'est pas qu'un jeu timer, hein, vous en faites pas, pour ceux qui stressent un petit peu dans les jeux à la contre-la-montre, vous inquiétez pas. C'est pas un jeu qui vous demandera forcément de ne faire que ça et vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez suivre uniquement la trame principale avec des ennemis qui vont vous attaquer à l'arme, etc. Plus de baston si vous le voulez. Voilà. Je parle mais l'objectif est un peu loin. Et je crois que je vais me chier malheureusement. Oh putain, il était juste en bas. Et attendez. Une seconde. Oh génial. Oh, awesome. Oh putain, une seconde avant. Oh, ce stress. Bon, enfin voilà. Je vais pas lancer une mission principale pour pas vous spoiler. J'ai un petit peu montré tous les aspects du jeu. Et je pense que je vais m'arrêter sur ce moment d'adrénaline. Croyez-moi, franchement, le jeu est vraiment sympa. Si vous aimez ce style de liberté encadrée, je vous le conseille. La carte est plutôt grande. Et voilà, ça va être un petit peu évolutif avec l'arbre des compétences, etc. Non, franchement, il y a de quoi vraiment se payer une bonne tranche de rigolade. Ce n'est que du solo. Il vous occupera 25 Go de votre console. Mais franchement, c'est un petit investissement que moi je trouve qui est bien rentabilisé. Enfin, pour ma part en tout cas. Voilà. Du coup, j'espère que ce petit test de Mirror's Edge Catalyst sur PlayStation 4 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao!